Hey yo les potes, c'est Icar et aujourd'hui nouveau glitch XP pour gagner un max d'XP en saison 7, chapitre 2 les potos. Et oui, il y a encore pas mal de petits glitchs et en vrai on voit que Fortnite galère un peu en ce début de saison parce que les glitch XP se multiplient et il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai encore un autre glitch XP qui va vous servir plus tard. Si vous voulez une deuxième vidéo les potos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo et à vous abonner en masse. Ça me prouvera les potos que vous avez envie du coup d'une partie 2. Et oui les potos, parce que vraiment comme je vous l'ai dit, il y a énormément de glitch pour XP rapidement en ce début de saison. Et j'ai envie de vous les partager, mais j'ai envie de voir si vous êtes hype un petit peu pour ça. Alors du coup les potos, avant toute chose aussi, n'hésitez pas à mettre le code créateur Bokuni, donc B-O-K-U-N-I. Merci à tous ceux qui le mettront en boutique. Alors les potos, il y a deux défis qui sont glitchés aujourd'hui en fait, et je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait on va voir les quêtes. Et si vous les avez pas, c'est que vous avez pas parcouru assez de distance pour les avoir. Mais on a du coup le premier défi, c'est parcourir de la distance en planeur. Donc on voit qu'actuellement je suis à 21 000 sur 25 000. Et les potos, il y a exactement le même défi mais pour la nage. Mais je l'ai pas encore débloqué puisque je n'ai pas suffisamment nagé avec mon personnage. Alors le défi, en gros les potes, je vais vous expliquer comment glitcher juste après, mais là je veux juste vous situer le contexte. Actuellement on a le défi ici, donc on voit qu'il y a plusieurs étapes. Donc le défi vous gagne 12 000 XP par étape, donc déjà 0 sur 1000 c'est pour le débloquer la première fois. Après 2502, après 10 000, 25 000 et 50 000 c'est toutes les étapes de ce défi, ok? Et on a exactement pareil pour du coup les véhicules et on a exactement pareil pour la nage, c'est absolument les mêmes distances, ok? Donc déjà on a ces trois défis là. Et les potos, il y a une manière facile de les glitcher. On va se rendre directement. Donc je vous suggère d'aller en fort d'empoigne. Ça ne marche pas sur les autres modes de jeu. C'est très important d'aller en fort d'empoigne, d'accord? Donc vous lancez et je vais vous retrouver au lobby pour vous expliquer la manip. Alors une fois que vous êtes dans le lobby, il va falloir très très vite prendre de la construction, parce que les potos, on va en avoir énormément besoin. Et plus vous en aurez, mieux ce sera, d'accord? Donc prenez de la construction et là vous allez pouvoir commencer à mettre du coup des petites constructions, d'accord. Et là vous voyez le chrono, donc lancement du combat dans 3, 2, 1. Et là il faut activer le planeur, très important, activer le planeur. Et là vous avez vu, on a glitché, on est actuellement dans la zone. Et en fait vous avez pas vu exactement donc ce qui s'est passé sur le glitch, mais tout à l'heure du coup on va pouvoir refaire cette étape pour que je vous montre officiellement, d'accord. Donc on va voir les quêtes. Alors vous avez pu voir, parcourir de la distance en planeur, je suis actuellement donc à 24 000 sur 25 000. Voilà, donc retenez bien, 24 000 sur 25 000. Bon les potes, du coup à partir de maintenant je vais refaire exactement la même manip, mais en ne faisant aucun cut. Comme ça vous êtes sûr et certain que je ne mens pas, et du coup qu'il a bel et bien de la distance qui est comptabilisée, et du coup qui est les glitchs, ok? Donc vous allez voir, on va voir le menu de quête. Je vous remonte encore une dernière fois, je suis bel et bien à 24 004 de distance, ok? Donc on va lancer une fort d'empoigne et finalement comme je vous ai dit, je vais faire aucun cut pour que vous puissiez voir et que je puisse vous prouver qu'il y a vraiment aucune entourloupe et il y a vraiment un bug, ok? Et les poteaux, ça va être la même manip après, donc je vais vous la montrer pour la nage et pour les véhicules, ok? Donc il faut savoir qu'actuellement le truc n'est pas patché, donc il faut vraiment partager la vidéo en masse, parce que les gars, ça peut se faire patch du jour au lendemain. Et actuellement on a de la chance, parce que dès que c'est patch, généralement on a une autre astuce qui arrive le lendemain. Donc ça va peut-être pas être le cas tout le temps, donc vraiment essayez de partager un max le temps que pour le moment les glitches fonctionnent. Donc voilà les gars, on voit le chrono qui commence à s'avancer, on est à 10 secondes. Et voilà, donc maintenant on attend vite fait du coup que le chrono soit à la fin, et du coup on va mettre la distance en planeur. Voilà. Donc là on est bon, et vous allez pouvoir voir, voilà, regardez, ça a validé mon défi. Ça a même validé le défi, je peux vous dire les gars, donc ça fonctionne, ok? Donc là on va regarder du coup le défi, quête, et actuellement je suis à... Mais j'ai même fini le défi. Mais j'ai même fini. Je vais terminer, regardez, parcourir de la distance en planeur, c'est fini. Donc on va pouvoir quitter et on va pouvoir regarder du coup à combien que je suis. Tout sans faire de cut, hein. Donc vous avez pu voir qu'actuellement j'ai validé un défi, donc parcourir de la distance en planeur, alors que j'ai même pas mis le planeur, j'étais encore dans le bus.
Vous avez pu voir. Donc c'est glitché, tu vois. Alors, on va regarder en bas. Ah bah non, le défi est complètement fini. Ah, le défi est complètement fini. Bon, bah du coup, my bad. Je vous ai dit du coup de la D tout à l'heure. Parce que quand je vous avais dit que la distance en planeur normalement c'était 25 000 jusqu'à 50 000, bah finalement non. Je pense qu'à mon avis là c'est soit buggé ou soit j'ai plus le défi. Mais c'est très bizarre, je ne l'ai plus. Donc bon, en tout cas, voilà. Mais vous faites exactement pareil. Et en fait, je vous explique le glitch, c'est que tout simplement quand vous allez lancer votre planeur, tout simplement en fait ça va compter la distance qu'il y a entre l'île de départ où vous avez mis le planeur et l'île du coup du centre où il y a le bus du coup. En fait tout simplement ça va compter comme si vous étiez en planeur du début à la fin. Donc ça va glitcher forcément. Et on a du coup exactement pareil pour la nage et pour les véhicules. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas encore le défi de la nage donc c'est très très bien justement, ça va permettre de le débloquer. Donc let's go, on va directement en fort empoigne. Donc là, quand vous êtes dans le lobby, c'est exactement pareil, vous prenez ça, et en fait, vous allez du coup nager, hein, tout simplement, et dès que vous allez nager, bah, ça va compter la distance qu'il y a entre vous et le bus pendant que vous êtes à la nage. Donc voilà, tout simplement, voilà, faut nager. Alors, il faut nager tout simplement, les gars, hein, pas tout simplement faire comme j'ai fait. Donc voilà, parcourir de la distance à la nage, en haut, vous avez vu, donc en haut à gauche, ça a été validé. Donc 1000, voilà, j'ai parcouru 1000 de distance, alors que j'avais même pas le défi à la base, hein, tu vois. Donc c'est vraiment insane, profitez-en du coup d'avoir ce bug là, parce que c'est vraiment rare d'avoir des bugs aussi présents en début de saison. En tout cas, n'oubliez pas aussi les potos qu'on a 3 passes de combat à faire gagner sur Discord. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, du coup, les quêtes, est-ce que maintenant j'ai une autre étape du défi de la nage? Toujours pas, hein. Non, j'ai pas. Donc, à mon avis, je pense qu'on a toujours les défis, mais il faut les redébloquer, je pense. Bon, je vais tester ça. Et voilà, du coup, j'ai refait le défi une fois, donc avec la distance à la nage. Et vous pouvez voir qu'en fait, je suis passé de 1000 à 4797. Donc, il faut savoir qu'à peu près, donc chaque fois que vous allez faire, ça va vous compter à peu près 4000 de distance, à peu près. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, ça vous met le défi hyper rapidement, hyper simplement. Et du coup, ça nous permet d'avancer très rapidement. Il faut savoir aussi, les potos, que ça va marcher aussi avec la distance à la marche. Mais ça, il va falloir faire une émote mobilité. Donc, en fait, il va falloir faire une émote mobilité dans le lobby, comme ça, par exemple. Et en fait, vous foncez tout droit. Et du coup, la distance parcourue à la marche, donc à pied, quoi. Et bah tout simplement ça va vous augmenter la distance également, d'accord. Donc en fait voilà, donc je vous montre ces petites astuces là. J'espère qu'en tout cas vous avez aimé les potos. Et puis sur ce, en tout cas, on se retrouve dans de prochaines vidéos. De prochaines vidéos glitch aussi, parce que j'en ai énormément des vidéos glitch. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous a aidé, ok. Dites-moi aussi les potes dès que c'est patché, parce que ça va sûrement être patché dans les prochains jours. Donc profitez-en, partagez vraiment cette vidéo les gars, parce que sinon, bah, il y aura peut-être plus le glitch très rapidement. Et du coup les potos, dites-moi si ça vous intéresse une autre vidéo glitch, parce que j'en ai encore un sous les pattes. Et du coup, bah, ça peut être pas mal si ça peut vous aider à monter en level. Et aussi bah, si ça vous intéresse, c'est cool pour moi aussi. Donc en tout cas sur ce, ciao, bye bye, c'était Icar. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre le code créateur Bokuni sur ce, ciao.